Et salut tout le monde, c'est Jack9 et on se retrouve sur la map Hunted pour un tout nouveau glitch. Donc ce glitch vous permettra d'accéder à deux secret rooms, l'une où vous pourrez vous balader et une autre qui sera tout simplement un petit ledge en under the map, donc comme vous voyez actuellement. Donc pour cela c'est vraiment très très simple, vous devrez vous rendre dans le bâtiment et réaliser un saut en arrière, donc voilà, hop, pour grimper comme moi. Une fois ici normalement vous allez être bloqué par un mur invisible en face de vous. Et il faudra qu'un ami vienne juste en face de vous, vous donnerez un coup de couteau ou un coup de crosse avec l'arme. Et tout simplement là normalement vous allez wellbrush en arrière. Donc pour cela moi je vous conseille de pousser le joystick, donc de courir un peu en avant ou même de tirer un peu le joystick en arrière. Ça dépend, jusqu'à wellbrush, donc bien en bas. Faites attention à pas wellbrush au dessus, des fois vous pourrez être bloqué en dessus. Et il faudra refaire le wellbrush donc dans l'autre sens. Donc après une fois en bas vous allez de toute façon refaire la même méthode pour passer dans le sorte de petit canapé dans lequel vous allez avancer en avant jusqu'à sentir, voilà, à peu près ce moment où vous allez aller en haut en bas. Et là il faudra trouver en gros le petit passage pour se rendre à cet endroit là. Alors après une fois ici c'est vraiment ce qui pourrait être le plus compliqué du glitch, car tout simplement il va falloir faire un saut sur le côté, voilà comme je le fais, et monter dans la porte. Donc une fois ici vraiment vous aurez la plus grande partie du glitch qui sera réalisée. Vous pousserez dans une sorte de couloir ou pièce secrète, donc quelque chose de vraiment énorme. Donc voilà, donc là cette pièce là sera vraiment la plus grande que vous pourrez atteindre. Vous pourrez vous balader intégralement à l'intérieur. Après à vous d'explorer, sachant qu'on wellbrush les deux portes, donc ça c'est important de le savoir. Vous pourrez tuer les ennemis à travers les vitres. Bien évidemment, regardez, il n'y a vraiment qu'une seule vitre où vous pourrez voir les ennemis. Ici là on peut voir même mon pote ZRK sauter de l'eau. Donc voilà, donc ce sera vraiment le seul endroit. Et sinon si vous voulez un peu explorer l'intérieur de la carte, c'est vraiment très simple. Regardez, il faudra se mettre juste ici et réaliser un saut encore vers le bas cette fois-ci. Donc il faudra faire attention de ne pas descendre trop bas, hein, sinon vous allez tout simplement mourir. Donc regardez, hop là je vais bien m'y rendre. Tac, donc on va wellbrush un peu la porte pour essayer de voir l'autre côté. Donc comme je le fais, il faut essayer de la traverser pour voir bien de l'autre côté. Et une fois ça fait, on fait un petit saut, on se laisse tomber dans le vide. Et très vite, il faudra se rattraper avec le jetpack. Donc je vous conseille de vous guider de la map si vous voulez voir exactement là où on atterrit et tout. Et donc une fois là, vous pourrez voir les personnes passer, mais vous ne pourrez pas les tuer. Donc ce sera vraiment super sympa. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais il faut savoir que normalement, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte d'arriver sur un petit ledge qui se situe encore un peu plus à droite. Donc là, on est vraiment sur... En fait, c'est comme si le tunnel était en deux parties, le tunnel dans l'eau. Et là, qu'on était sur la première partie. Donc voilà, donc là vous voyez une vue à la troisième personne. Donc comment jouer le bridge, donc regardez c'est vraiment très simple, voilà. On fait un saut en reculant en arrière et là on passe à travers le mur, on est un peu glitché et on n'a plus qu'à cutter notre ami. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile sur la map Hunted. C'est vraiment glitch pour en profiter en partie privée, car en ligne ce sera vraiment assez compliqué. Mais en partie privée, si vous voulez un peu explorer les bas-fonds de la carte, ça peut vraiment être super sympa. Ce mois je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jack9 et sur ce à plus tout le monde.